Fashion Police Africa. C'est encore moi, la dove de la mode, Dou Shangay, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. Et on dirait qu'aujourd'hui, c'est mon vrai jumeau. Hein. Alors, Ryan, tu vas bien? Je vais bien, et toi, Dounia? Ah, c'est vrai que je danse, ressemble un peu. Ouais, grave. Ah, t'as vu? Ça ressemble grave, on dirait des triplés sur le plateau. Tu vois, ah, pourquoi t'as des triplés? J'étais en train de cacher l'autre partie, là. Alors que tu n'as même pas encore dit comment tu allais. Si, je veux bien. Je pète la forme, et toi? Ça va, tranquille, on est là. Mm-hmm. Tu jeûnes? Du tout. Du tout? Tu n'accompagnes même pas les gars un tout petit peu? Mm-hmm. Pourquoi ça? Juste pour la simple raison que quand moi je jeûne, il n'y a personne qui m'accompagne. Donc je ne vois pas l'intérêt de vous accompagner. Pourquoi on t'accompagne tout le temps? Parce qu'on a tout le temps faim quand tu as faim aussi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On est tellement fusionnés que quand tu as faim, on a faim. Donc il faut nous accompagner, n'est-ce pas? Du tout. Ça, c'est un choix personnel. Donc d'assumer, c'est tout. Ok, cool. Bon, vu que tu as tout à l'heure parlé de triplé, donc, chers amis téléspectateurs, vous avez remarqué qu'on n'est pas seul. On a un invité cette fois-ci, assez spécial quand même, parce qu'il fait des trucs de ouf. J'imagine par là que vous avez remarqué nos t-shirts. Je me porte, et j'abordais ça aujourd'hui, bizarrement. Ouais. Je me porte, c'est ma tranche. On est des vrais superstars sur le plateau aujourd'hui. Ouais, carrément. On porte notre image aujourd'hui. Carrément. Ouais. Et le résolu, celui qui l'a fait, qui a fait ce beau boulot, qui a fait ses beaux t-shirts. Et là, avec nous, bonjour Chama. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Ça va? Ça va. En tout cas, tu fais du bon boulot. Merci beaucoup. Là, je te le dis, hein. Merci. Heureuse de te recevoir ici. Le plaisir est partagé. Alors, Brian, tu nous amènes où? Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Los Angeles en Californie où s'est tenue l'édition 2023 des Fashion Police US Award. Le 21 mars dernier. Et sur ce, les Fashion Trust US Awards est une première initiative aux États-Unis créée pour reconnaître et soutenir les entreprises, les designers et les talents émergents basés aux États-Unis. Et nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Ciara dans un look assez simple, chic et très très classe avec un truc que je comprends pas vraiment. Mais bizarrement, c'est le seul truc que j'adore dans ce look-là. Je sais pas si c'est un collier qui a été incorporé sur la veste qu'elle a portée. En tout cas, j'ai rien compris, mais j'adore cette création. D'accord, je vois. C'est une lance qui a été mise au travers du col de la veste et tout. Donc, elle arbore une veste avec un haut transparent et puis une jupe. C'est un look dans l'ensemble que je trouve assez ennuyeux. Ça me dit rien, ça ne m'inspire rien du tout. Et la lance au niveau de la veste n'est pas si aussi révolutionnaire que ça. On aurait dû s'en passer. Et la jupe, elle est sans intérêt. Pour un ensemble qui est assez fade et tout. Moi, je me dis, elle me déçoit quand même. Après, c'est Ciara, elle est du genre à faire les ascenseurs. Ouais, ouais, carrément. Un coup, elle est là, un coup, elle est là. On sait pas à chaque fois à quoi ça tourne. Venant d'elle en matière de style vestimentaire sur le terrain. Elle n'arrive pas à garder le cap, en fait. Oui, elle n'arrive pas à garder le cap et elle n'arrive pas à... comment dirais-je? C'est vrai que c'est un look avec lequel tu irais au bureau facilement. Bureau. Ou voilà, en ville, juste voilà, faire des achats. Tu iras encore au funérailles. Tout un look noir, là. En tout cas, moi, à part ce truc-là, j'ai pas compris l'idée de ça, mais je pense que ça facilite la tâche, t'as pas besoin de mettre de collier. C'est une belle création quand même. Surtout quand c'est mieux revisité. Imagine, par exemple, cette espèce de ficelle, je sais pas ce que c'est. Sur c'est un immense. Look assez travaillé ou super bien travaillé, ça va le faire. Ça va être vraiment cool. Après, avec ce détail-là, moi, je pense que le styliste a voulu revisiter la veste tout en optant pour la facilité. Il n'a pas fait trop d'efforts pour pouvoir servir un truc assez recherché et tout. Et c'est vraiment dommage. Alors, Chama, tu penses quoi de ce look? Je partage la même avis que Brian. Moi, j'aime le noir, mais je trouve que... Il y a un truc qui ne va pas en fait. Sur la veste. Ah, le look n'est pas waouh. Ouais, c'est pas waouh. Ouais, du tout. Ouais. Et venant de Ciara, ça te déçoit ou pas? Ouais, ça me déçoit. Beaucoup. Ça me déçoit, oui, parce que c'est une dame aussi que j'aime beaucoup. Mais voir que sa tenue là, ça me touche pas vraiment. Ouais, c'est vrai, imagine sa veste avec nos. Il fallait une autre touche de couleur, je pense. Oui. Peut-être pour mieux. Voilà. Donner de l'éclat au look. Voilà, au look, carrément. Moi, j'aime bien la veste, mais ce qui me déçoit, c'est la jupe. Ah ouais, la jupe là, vraiment. C'est comme. Voilà, sincèrement, Quand tu vois la jupe, tu as envie de faire ça, quoi. Vraiment, c'est ça, en fait, le truc. C'est ça, carrément. Surtout venant d'une superstar. Ouais. Ça déçoit. Ouais. Sinon, tu lui donnes une note de combien? 5.
Ah, cool. Je te rejoins. À 5 aussi. Et toi? À 5 aussi. Cool. Vite fait, bien fait. Mm-hmm. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Tracy Ellis Ross en air d'âme dans une robe que je ne comprends pas vraiment. Mm-hmm. Et je trouve que c'est très très dommage d'utiliser ce genre de matière. Parce que la matière, la robe, en fait, la robe, je parle de la robe. Quand je parle pas, quand je dis la robe, je ne parle pas de cette espèce de chewing-gum en mode gant là qu'elle a au niveau des manches. Ça, je ne comprends absolument rien. Je n'aime pas et je n'ai pas envie de parler de ça. Mm-hmm. Mais la robe en tant que telle, la matière utilisée, on dirait que c'est de la dentelle. Mais c'est magnifique. Et il fallait tout pourrir avec ces gants là. En fait, je n'ai pas compris l'idée de tout ça. Brian, peut-être que tu peux nous éclairer un tout petit peu. Je pense qu'avec les gants, elle a voulu trop en faire et puis elle a gâché le look. Elle arbore une robe en dentelle noire, oui. Tu vois, qui est en elle-même, elle est très belle. Oui. Après, elle a voulu apporter une touche assez dramatique, hein, vraiment dramatique dans le sens propre du terme, avec ses gants. Qui me feront penser d'ailleurs aux gants de vaisselle, tu vois. Qu'on oui, mais carrément c'est, moi, je trouve que c'est vraiment une insulte, en fait. C'est exagéré, en fait. Quelle idée. Et déjà, le temps, en fait. C'est pas que les gants qui font défaut, mais non seulement les gants, mais aussi le temps des gants. Ça n'a rien à voir, ça ne s'accorde même pas, tu vois, à la palette de couleurs utilisées. Et on retrouve aussi la tête violette au niveau du bas de la robe et tout. Au niveau du détail plissé de la robe, tu vois. Oui. Moi, je ne comprends pas. Genre, si c'était dans le même temps, tu vois, le noir ou bien le violet un peu taché et tout. Peut-être on allait dire. Okay. C'est le noir. Hein, parce que ce gros tas de je ne sais quoi là qu'on utilise pour des gants, je ne sais pas ce que c'est, mais. Heureusement qu'elle n'est pas au Sénégal, sinon j'aurais des taxis, hein, jaune noir. C'est quoi ce délire? En fait, je comprends pas. Il y a des looks en fait qui t'as même pas envie de regarder. Ouais. Yeah. Alors, Chama, tu penses quoi de ce look-là? Moi, je trouve que c'est le gant qui a gâché sa robe. Et pourtant, normalement, le noir se marie bien avec le jaune et tout, mais elle n'a pas su bien arranger ça. Surtout les gants, c'est ça qui gâche. Non, mais c'est carrément. Et après, tu vois aussi le volume. Il y a un c'est ça, en fait. Déjà, les gants sont tellement volumineux, tu vois. C'est comme si, genre, ça dépasse de trop. Elle a essayé de... Le gant, elle passe après sur sa tenue, en fait. Ouais. C'est comme quand on dit qu'il y a une petite touche pour vraiment apporter une valeur ajoutée à un look, comme ça peut gâcher le tout. Et là, c'est ce qu'elle a fait. Ça gâche le tout. Et c'est vraiment pas beau à voir. Non. C'est pas beau du tout. Je sais pas quelle toilette elle a débouché, mais faites gaffe. Hein. Faites gaffe, hein, parce qu'elle a eu affaire à des gants assez énormes. Donc... Elle a fait le taf, on va dire. Carrément. Alors, Brian, tu lui donnes une note de combien? Moi, je vais partir pour un 3. Ah, moi, je fais comme ça, un 2. Écoute, je te suis désormais. J'espère que tu vas pas... Je lui donne aussi une note de 3. Un 3, ouais. T'es gentil, toi aussi. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Zerina Akers en Eman L.A. Lan, au moins une qui sauve la mise aujourd'hui. Assez simple, une robe plutôt avec des imprimés simples, magnifiques, en fait... c'est super, je sais pas moi, c'est jovial, c'est gay, c'est cool ce qu'elle a porté, ça fait revivre en fait. Et elle arbore super bien, elle est assez simple niveau maquillage, niveau mise en beauté, coiffure, tout est assez simple, super bien maîtrisé, tant plus qu'elle a compris, il y a assez de volume au niveau de la robe, les imprimés, tout ça, donc elle s'est pas trop chargée de bijoux ni de maquillage, c'est un look assez impeccable, j'adore. Yes. Pour aller plus vite, 3 fois 9, 27. Je pense qu'ici, c'est vraiment déjà le temps de la tenue, l'imprimé. Mm-hmm. L'imprimé qui fait totalement la différence et j'adore. Ça fait... Elle a su mettre en valeur ses origines, on va dire, africaines et tout à travers cet imprimé-là. Parce que ça, franchement, ça respire l'Afrique, on va dire. Mm-hmm. Et j'adore ce mélange de temps, le jaune et le noir qui se raccordent si bien. Mm-hmm. Et comme tu l'as dit aussi, il y a la structuration de la robe qui n'est pas si aussi extravagante ou extraordinaire que ça, qui est assez minimaliste et simpliste et tout. Bien maîtrisée. Bien maîtrisée. Et puis elle aussi, il faudrait le dire, hein, elle a su... bien arborer la tenue, elle a su la mettre en valeur et tout. Mmh. Et au niveau de la mise en beauté aussi, elle a opté pour la simplicité. On va dire que voilà. Et c'est pas pris la tête, pas de bijoux, pratiquement pas d'accessoires et tout. Et aussi, le volume de la robe a eu à faire. Elle n'en a pas eu besoin. Ouais. Elle a compris, en fait, un chaman. Oui.
Oui, vas-y. C'est beau à voir, c'est simple, mais c'est efficace en même temps. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le noir, ça se marie avec plusieurs couleurs. Ouais, pratiquement toutes les Voilà. autres couleurs, si tu Voilà. sais quoi faire. Et ici, ça se marie très bien avec ce jaune doré, et que moi, j'aime beaucoup aussi. Donc, tu es OK pour ce look. Oui. Et tu donnes une note de combien? Là, je donne une note de 7. Ah, cool, c'est bien. Et toi? Moi, je vais ajouter un demi-point à sa note, donc 7,50. Ah, et je complète avec un 8. D'accord. C'est cool. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Draya Michal dans une robe verte. Bah, là, j'appuie sur le vert pour dire que, voilà, à part le ton de la robe, je pense que la robe n'a rien d'exceptionnel, absolument rien, assez simple, du déjà vu, une fente de côté, voilà, avec une languette de l'autre. Sauf qu'elle arbore quand même super bien la robe. Ici. Voilà, donc comme ce qu'on a l'habitude de dire, un mannequin peut bien vendre un habit vraiment qui, pour ne pas dire qu'il n'a pas de valeur, mais voilà, en fait, le mannequin a une très grande part Oui. Concernant le look ou la tenue, et là, elle le montre super bien parce que c'est une tenue vraiment pas très bien recherchée, assez simple, fluide et tout. Sauf qu'elle arbore super bien, vraiment. Oui, je te rejoins parfaitement sur ce coup. Je pense que c'est plus une tenue appropriée pour un after party ou pour un chilling ou carrément pour une sortie en club, en fait. Voilà, On va exactement. dire un truc qui n'est pas si formel que ça et C'est tout. ça. Et dommage, elle a opté ça pour un tapis rouge d'un événement aussi grandiose, pas des moindres, tu vois. Donc, c'est vraiment dommage. Mais après, elle a rattrapé le coup, tu vois. Elle a si bien arboré, et notamment aussi le ton de la Le tenue, ton, ouais. Tu oui, le vois. ton est parti beaucoup. Voilà, c'est assez, tu vois, original, recherché. Et puis, voilà, ça donne envie en même temps. Oui. Donc, on peut. Voilà, c'est passable. Le Voilà, c'est look pas est ça. passable, on va dire. Alors, Chama. Moi aussi, j'aime bien, c'est simple. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais j'aime bien parce que ça lui va bien avec sa forme et tout. Donc, Et elle a eu confiance en elle-même. si. Elle s'est dit même avec un t-shirt, Simple. ça a cartonné. Et après, tu vois, elle a des atouts, on va dire. Mais bien Elle a sûr, des en fait, c'est ça. atouts. Il y a des gens qui, même avec un t-shirt, Un truc ça va simple. être cool. Même un sac à patates. Voilà, exactement. C'est ça le bon terme, on va Voilà. dire. Ah oui, et je vois qu'il y a quelqu'un qui te fait des signes là. Je ne sais pas ce que Oui. ça veut dire, mais bon, Oui, c'est j'espère qu'il est dommage qu'il n'est d'accord avec pas, toi. oui, c'est dommage qu'il n'est pas avec nous pour pouvoir s'exprimer, dire ce qu'il a Pour envie de pouvoir dire. t'embêter. Mais je vois là où Tu il va vois, non? venir. Ah oui, la go, elle est bonne aussi. Peut-être que c'est ce qu'il a envie Ah, de dire. peut-être, ouais. Peut-être que c'est ça. Sinon, Chama, tu lui donnes une note de combien? Bon, si c'est pour la robe, je lui donne une note de. On a Sylvester là. Si Une c'est note pour de la robe, une note de 7. 7. Mais si c'est pour elle aussi, Elle-même. bon, 8. Ah, ça? Ouais. Ok. Et donc maintenant, pour un look, on a droit à deux notes Deux différentes. notes différentes, Ah, je t'assure. d'accord, ok. En fashion police, on fait ce qu'on veut, mais on va quand même te demander de choisir entre ces deux notes-là. Bon, je lui donne une note de 7. De 7, ok. Ouais. Et toi, Brian? Ouais, maintenant, je vais m'en tenir à 7. Je pense que Bon, moi, je vais m'en tenir quand même à un 6. Ouais. Yes. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Sabrina Elba en Alaïa, le look que j'attendais, mon coup de cœur du jour. Ah, Brian, t'as vu la go? Ouais. J'aimerais vraiment lui ressembler quand je serai grande. Tu es déjà grande, je veux dire, Non, arrête oui, ça. Brian, ne change pas ce terme-là. C'est comme ça qu'on l'a entendu. Si, si. Non, mais tu as vu la meuf? Il arbore trop bien la robe. On va dire qu'elle a cassé la baraque avec Oh, cette mais tenue. carrément, hein, mais carrément. Elle est belle. Elle arbore super bien. T'as vu sa posture? Même elle-même, elle sait qu'elle est belle. C'est ce qui est bien. C'est bien quand tu es bien habillée, que toi-même, tu sais que Si, tu es bien si, si. habillée. Attention, attention, elle est mariée. C'est très Et on s'en important. fout de ça. On s'en fout de tout Pour ça. Ça, c'est pour pas. ceux qui vont cracher sur elle, je vous Écoutez, promets les qu'elle est gars. mariée. Écoutez les gars, là, c'est vrai que voilà, il y a certains hommes peuvent vous la regarder et se dire waouh, C'est ça. voilà. Mais Je bon, dis attention, elle est mariée. certainement les hommes vont plus s'enflammer pour le look que pour autre Que chose, pour hein. elle, ouais, c'est pas Voilà. ça. Et écoute, les hommes mariés là, ce sont eux qui matent le plus, hein. Ah, je t'assure. Yeah. C'est quoi le délire là? On a même un Congo ça, non?
Quand même. Mais ton mari est mat plus là, surtout ceux qui sont dans les voitures là, en véhicule là. Hein. Mais madame, faut te mettre derrière. Écoute, un jour, on m'a donné, une bonne dame m'a donné un conseil un jour. Elle m'a fait, tu fais des jeunes filles là qui se mettent juste à côté, devant, à côté de monsieur là. C'est là qu'elle rêve tous les trucs là. Parce que tu ne peux pas à chaque fois que monsieur regarde à gauche, toi aussi tu regardes, il faut te mettre derrière. Ça, tu auras bien le dos derrière. Dès qu'il regarde de l'autre côté, tu fais pan. Ça, il va se retourner. N'importe quoi. Bon, bref, pour revenir au look, j'adore ce bon mélange. Je ne sais pas si vous avez remarqué les bracelets, un peu de tout. Et voilà, normalement, c'est quelque chose que tu verrais avec une robe en wax ou autre chose. Elle le met avec cette robe noire, sexy, super jolie. Elle mélange au full avec le côté sexy. Pas trop extravagant, bah, pas extravagant, mais pas trop vulgaire plutôt. Et ouais, c'est assez sexy et c'est, voilà, c'est tout. Elle est belle, elle est magnifique, elle arbore super bien et elle a compris, n'est-ce pas? J'espère que j'ai tout dit et que vous allez tout simplement dire on est d'accord avec toi et vos notes. Mais bon, ça va pas être cool dans ce cas-là. C'est pas la alors, dictature là. Ici, c'est pas voilà, non, ça c'est mais bon, de toute façon, j'imagine que vous aimez bien la robe aussi, n'est-ce pas, Ryan? Oui, j'aime bien la robe. C'est un look assez dénudé. Elle arbore une robe légère avec un dos nu et un décolleté assez plongeant et une jupe froncée. Elle arbore si bien, j'adore. Et comme tu l'as dit, c'est sexy mais pas trop en faire. Tu vois, ça flirte avec la vulgarité mais c'est quand même assez couvert. J'adore. Elle arbore si bien et puis elle a rattrapé, tu vois, le coup avec des bracelets et tout pour essayer d'apporter du glam, du peps au look et tout. Et sa mise en beauté aussi chic. Nickel. Chic et voilà. Alors, Chama, t'es pas tombé amoureux de la meuf là? Non, je kiffe aussi beaucoup sa tenue. Ah, je pense que vous avez déjà tout dit. Non, mais je kiffe, ok. Ouais. On avance. On est en Afrique. Ouais. On habite avec la poussière. Il y a des couleurs qui sont super salissantes. Voilà. Le noir temps, au moins un peu. Voilà. Non, on va dire que ça fait partie de l'essentiel de la garde-robe et tout. Ouais, c'est ce qui est fou. Tout le monde devrait avoir ces couleurs. Hein, c'est assez fonctionnel. C'est assez fonctionnel et puis et c'est très pratique. Bien, ça ouais, part avec tout. Ça match avec toutes les couleurs. Le noir est magnifique. Hein. Et sinon, Brian, une note de combien? Je vais partir pour un 9. Allez, vas-y. Oh là là, je te rejoins. Merci, Brian. Yes. Allez, et toi? Un 8. Ah. Vraiment. Il a cassé le délire. En fait. Ah, vraiment. On était en train de jubiler là. Attention. Ah, mais c'est quand même mieux que rien. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement au top et flop. À toutes. De retour au plateau pour les top et flop. Donc, j'enchaîne directement la montre. Top du jour, je sais pas si je... Non, pas plutôt mon flop du jour, mais flop de chez Flop. C'est le deuxième look, Tracy Ellis Ross en air dame. Donc aujourd'hui, c'est mon flop du jour, mais pire que ça même si je pouvais. Et mon top du jour, pour faire court, c'est le cinquième look, Sabrina Elba en Alaïa. Vous l'avez sans doute deviné, donc c'est mon top du jour. Alors, let's go, Shaman, ton top et ton flop. Le flop, c'est Ciara. Et le top, c'est Sabrina. Ok, cool. Le premier look, ton flop, et le dernier, ton top du jour. Ah ouais. Brian. Moi, mon flop du jour, c'est notre charme ami qui nous a servi un look assez mémorisant. Tracy Ellis Ross. Ouais, bien sûr. Le deuxième look. Ouais, le deuxième look. Et mon top du jour, c'est sans doute Sabrina Elba. Yes, aïe. Vous avez compris alors. Et c'était tout pour les top et flop. L'émission touche presque à sa fin. Mais on ne va pas partir sans parler avec, discuter plutôt avec Chama, notre cher invité du jour, qui nous a bien vraiment... qui nous a habillés avec ses magnifiques t-shirts. Nous portons nous-mêmes nos propres têtes. Ma tranche, je me porte. J'adore dire ça et c'est cool. Donc, nous allons discuter un tout petit peu avec lui avant de vous quitter. Comme ça, mieux savoir comment il fait le déroulement de son boulot. Est-ce qu'il bosse? Comment ça se passe? En gros, on va dire, avant de débuter, peut-être je te laisse te présenter vite fait en quelques secondes. Top, c'est parti. Chrono, vas-y, vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je t'en mets plus. Vas-y. Bon, moi, c'est Biti Chama Shalom. Artiste, dessinateur, peintre, designer. Bon, je fais de l'art, comme j'aime bien le dire. Et voilà, je suis un amoureux de l'art. Yes, c'est cool. On est tous des amoureux de l'art. Yes. Alors, Chama, le nom de la marque, c'est quoi? C'est Bouddha Cartoon. Bouddha Cartoon, oui. Et vas-y, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Bouddha Cartoon, et qu'est-ce qui t'inspire? Pourquoi ce nom? Bouddha Cartoon, c'est le nom d'une ville dans mon pays, qui est la République centrafricaine.
Donc, Bouda Cartoon, c'est le nom de code pour dire la capitale de la Centrafricaine, Bangui, normalement. D'accord. Ben, entre nous les jeunes, on se dit Bouda, Bouda, Bouda. Bouda, Bouda. Ouais. D'accord. Mmh. En tout cas, j'ai choisi ce nom, c'est pour représenter mon pays. Ok. Mmh. Et Cartoon pour ceux qui ne savent pas. Cartoon pour les dessins et tout. D'accord, super. Mmh. Bouda Cartoon, le nom de la marque. Mmh. Donc là, je reviens à ma question fétiche, celle que j'adore de poser à tout le monde. Pourquoi exactement la mode? Moi, je suis un amoureux de l'art, comme je l'ai dit. Mmh. Et je pense que la mode, c'est de l'art. Mmh, bien sûr. Donc, c'est pourquoi j'interviens souvent dans la mode, mmh, comme dans les dessins et tout. D'accord. Parce que je vois que ça va de pair. D'accord. Mmh. Alors, tu as été bercé par cet entourage. Il y a eu quelqu'un dans ta famille ou des gens que tu voyais s'exercer dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui t'a vraiment, vraiment poussé ou inspiré à rentrer dans ce milieu? Je dirais plutôt... C'est grâce à la télé, parce qu'on voit souvent des choses à la télé quand on était petit. Mm-hmm. Mais c'est quand je suis venu au Sénégal ici, mm-hmm, que je me suis vraiment mis dans la mode, parce que j'ai des amis avec qui travaillent aussi dans la mode et tout. D'accord. Donc c'est ça qui m'a vraiment plongé dans ce milieu en fait. D'accord. Mm. Et quand on parle mode, on parle bien sûr de ces beaux dessins que tu fais sur les t-shirts. Mm. Donc c'est juste des t-shirts que tu fais ou tu travailles sur autre chose? Je fais les t-shirts, je fais sur les vestes en jean, mm-hmm, et je fais sur les décors murales aussi. D'accord. Je fais un peu de tout en fait. Je ne me limite pas. Donc, l'art plastique aussi? Oui. D'accord. J'aime les challenges. Dès que je vois un truc qui me plaît, parce que je dois aussi le dire, je suis un autodidacte. D'accord. J'apprends tout seul. Dès que je vois un truc que j'aime faire, j'essaie d'apprendre et je le fais. Et tu as eu à prendre des cours, tu as fait des études d'art ou... Non, j'ai jamais fait d'études d'art. J'ai appris tout seul grâce à Internet. D'accord. Oui. Et c'est grâce à Internet aussi que tu sais dessiner ou si, c'est quelque chose d'inné chez toi? C'est inné en fait. D'accord, d'accord. Donc tu t'es amusé à dessiner, finalement tu t'es dit pourquoi pas sur les t-shirts. Mais comment ça marche exactement? Si on peut connaître la procédure de ces t-shirts, comment ça marche? Comment tu les réalises au fait? D'accord, j'achète un t-shirt vierge, tout noir. D'abord, je l'emmène dans mon laboratoire qui est ma chambre. Mm-hmm. Je commence d'abord à faire les croquis. Trop cool, non? Je ne peux pas laisser faire ça dans mon laboratoire. Je m'attendais à ma chambre. Ouais. Yes, c'est trop cool. Là, vas-y. Je passe les merveilles. Ouais. Donc, je fais d'abord les croquis avec la craie. Mm-hmm. Après, je prends l'eau de Javel et je fais sortir le portrait. En fait, c'est cette partie-là qui me fascine vraiment dans ce boulot-là. Voir tout ça et se dire que c'est vraiment de l'eau de Javel qui fait la plus grande partie, on va dire, de ce travail. Mais vraiment, quelle idée, en fait. Ça, il faut qu'on le dise. Parce que nous tous, je pense que chaque personne a dû, ne serait-ce qu'un jour, mettre une tache d'eau de Javel sur du noir et voir que ça donnait un peu ce rendu-là. Mais jusque-là, sincèrement, je m'en excuse s'il y a des gens qui font le même boulot. Mais jusque-là, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui utilisait l'eau de Javel pour faire de l'art, pour dessiner avec, en fait. Ouais. Je ne sais pas si ça existe. Tu recycles, tu prends déjà des t-shirts déjà utilisés. J'achète des pantalons jeans que je design, après je vends. Okay. Genre dans la friperie. D'accord. Les vestes en jean sont déjà vieux. Mm-hmm. Je donne encore une autre valeur et je vends d'accord. ça. Mm-hmm. Oui. D'accord. Mm. En tout cas, faire ce magnifique boulot et ensuite sur le upcycling, c'est magnifique, c'est cool. De toute façon, on est là pour ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui, clairement. Après, franchement, moi, bon, je le dis, c'est peut-être une idée qu'il pourra exploiter, et toi, la langue. Moi, j'aurais bien ces designs carrément sur des pièces entières, c'est-à-dire des robes, des ensembles costumes, etc. Bien sûr, et tout, exactement. Essayer de repousser tes limites et essayer de te lancer. Non, mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au look, là. Regarde jusque-là. Maintenant, les vases sont tellement revisités. Mmh. Mais jusque-là, je ne pense pas avoir vu un ensemble veste revisité à tel point où il y a de la peinture. Peut-être, peut-être la peinture, oui. Mais là, le Javel, là, par exemple, exactement ça, sur un ensemble veste ou costard même, en tout cas un ensemble, ça va être magnifique. Ça va vraiment être, donc c'est comme il a dit, repousse tes limites, t'arrêtes pas à ça, tu fais déjà du bon boulot, pourquoi pas mieux s'ouvrir et voilà, on espère aussi que les autres vont s'ouvrir aussi et venir vers toi. Oui, surtout pour envisager des collaborations. Collaborations. Et y aurait-il une question qu'on aurait omis et que tu voudrais en parler? Je pense que c'est bon. On a fait le tour. Ouais. On espère, sois pas timide. Hein. Non, je suis pas timide. Tu vas pas revenir sans t-shirt. Il y en a déjà qui le menacent. Hein. Je vais le dire. Il y a Yash qui te menace. Il y a Tala. Il y a Petit Lai. Le futur marié Tala. Il ne faut pas qu'on dise ça. Hein.
Bon, c'est plus un secret. C'est il n'est plus sur le marché. Peut-être que c'est un secret. Je retire. Bof, tu pourras retirer cette partie, s'il te plaît. On a vendu la mèche. Hey, t'as là, tu me connaissais. Certainement, c'est Brian qui m'a poussé à dire ce genre de choses. Hein. Ok, donc on a fait le tour alors. Ouais. Pas de bon, topo, juste, c'est bon. Juste dire aussi Vas-y. Que prochainement, je vais sortir ma collection où je mets en valeur le Sénégal. D'accord. Ouais, je mets. Des symboles qui parlent vraiment de ce pays. Je représente le Sénégal. Ok. Ouais, et ma tête, hein, parce que je représente bien l'Afrique et aussi le Sénégal. D'accord. Ouais, mais vous pouvez collaborer ensemble sur le projet. Ouais, bien sûr, bien sûr. Déjà, il y a de petites idées qui naissent. Voilà. Donc, en tout cas, ce fut un réel plaisir. Merci, le plaisir. Vraiment, j'espère porter d'autres trucs, avoir des jeans, des ensembles, comme il a dit beaucoup de choses et beaucoup de choses dont on a parlé. Il y aura ton boulot. Il y a une petite touche de toi, en tout cas, c'est un réel plaisir. C'est une nouvelle découverte que j'apprécie bien, qu'on vient de faire. D'accord. Et Brian, tu le remercies ou tu lui dis bonne merde? Bien sûr, je ne peux que le remercier. En tout cas, franchement, déjà, je suis fier de lui, fier de ce qu'il fait et tout. Vraiment. Partir de rien pour faire tout ça, je pense que voilà, ça mérite quand même de la reconnaissance et puis de l'encouragement et tout. Merci. Après, moi, je le souhaite très bonne chance pour la suite. Et pour ma part, au nom de l'équipe de production, de la télé, etc. et tout, que voilà, nos portes restent grandement ouvertes. Ouais. On est là pour, voilà, pour l'accompagner dans différents projets. Et juste projets. Des t-shirts à dégainer. Des t-shirts à dégainer en même temps, des émissions, pas mal de palais d'émissions auxquelles il pourra participer. On attend ta collection, ta nouvelle collection. Donc, voilà, qui pourra lui offrir encore plus de visibilité. D'ailleurs, notre mission, on est là pour vraiment pour promouvoir la mode, lui offrir la visibilité et le faire rayonner dans toute l'Afrique et dans tout le monde, dans le monde entier. Yep. Donc voilà, on est là, on est toujours prêt à travailler ensemble, à collaborer, voilà. Merci. Donc tu es à la maison, viens quand tu veux et puis voilà. On est et pas quand tu veux, c'est une façon de parler aussi. Hein. C'est pas tous les jours. Ok. Une façon de parler. Voilà, c'est comme quand je te dis, fais comme chez toi, mais tu n'es pas chez toi. Ou bien. C'est ça. C'est voilà. Bah, juste pour t'embêter. En tout cas, merci à toi. Moi, ce que tu es à remercier des gens vite fait, pas de publicité à la sénégalaise. Hein. Vite fait, vite fait. Vas-y. Juste un petit coucou à mon gars, le médecin. Et voilà, merci beaucoup. Ah, il est gentil en plus, tout ça, c'est cool. Oui, il suit à la lettre. Hein. Ouais, ouais. Après, sans pour autant qu'on oublie, tu peux donner tes adresses, si tu as une boutique physique ou bien tes adresses, ton numéro et tout. Oui. Alors, vas-y. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur le nom de ShamaR13 et Facebook BodaCartoon. Ok, sur Instagram, Facebook, tout ça. Pour sur Instagram, Shama, S-H-A-M-A. Ok, R13 sur Instagram, sur Facebook. BodaCartoon. BodaCartoon, le nom de la marque. Ouais. Et voilà, pour ceux qui ont envie de faire comme moi. Allô, hey bro, vas-y, fais-moi un t-shirt, vite fait, le numéro. 77-811-97-98. Yep. Plus le 221 pour ceux qui sont à l'extérieur. Ouais. Yes, ça y a. C'est bon? C'est bon. Là, ça va? Ouais. Ami, c'est l'avocat, c'est bon? Oui, madame, papa, ça va. Tout y est? Tout y est? Tout y est. Ok, ma chère amie téléspectateur, ce fut un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement sur IFA dans Fashion Police Africa. C'était Lovely. Bye bye. Peace.